بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous remercie infiniment pour votre participation au sondage. C'était très bien. Et le sondage est toujours ouvert. Donc vous pouvez toujours consulter le site et donner votre avis. Inch'Allah, on va essayer de continuer l'explication de ce chapitre du mois de Ramadan selon les trois livres, Malik et Bukhari et Muslim, Inch'Allah. Donc comment l'imam Malik, sa méthode dans, en général dans le Muwatta et en particulier pendant pour le chapitre du mois de Ramadan. Et quelle est la méthodologie de l'imam Bukhari dans son authentique et Muslim également. Pour Malik, toujours Malik, commence par la jurisprudence de l'acte, c'est-à-dire comment faire l'acte. Pour lui, pour l'imam Malik, rahimahullah, n'est pas récompensé le musulman si l'acte n'est pas correct, n'est pas fait selon la jurisprudence musulmane. C'est-à-dire, Malik va commencer toujours par comment faire l'acte, comment faire le mois de Ramadan, comment faire la prière, comment les ablutions. Par exemple, après avoir parlé de la jurisprudence de l'acte et cité des hadiths, des avis des compagnons, des fois, et des fois il va donner son avis à lui, il va nous parler sur les mérites de l'acte, la récompense de l'acte. Ça veut dire, chez l'imam Malik, la récompense n'est pas acquise si l'acte est mal fait. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, va commencer dans son authentique. Quand il parle sur le mois de Ramadan, il va nous dire le mois de Ramadan, le chapitre de l'obligation du mois de Ramadan. Il va nous donner, le Bukhari, rahimahullah, va nous donner l'acte, le sans jugement. Parce que on a dans la religion musulmane, on a cinq jugements. On a l'obligation, le conseillé, le sunna. On a l'interdiction, le haram. On a le déconseillé, makro. Et on a le mubah, qu'on peut traduire par l'indifférent. La religion est indifférente. On n'a que cinq jugements. Le Bukhari, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que connaître le jugement de l'acte est très important. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas autorisé, religieusement parlant, de donner un acte beaucoup plus qu'il mérite. Si ce n'est un acte qui est juste conseillé, c'est une sunna, il n'est pas autorisé de lui donner une puissance d'un acte obligé. Parce que, comme dit Shatibi rahimahullah dans son œuvre Al-Muwafaqat, c'est une forme de bid'ah, c'est une innovation blâmable, parce que le jugement, il ne le mérite pas. Et donner moins qu'il le mérite, c'est si un acte est un acte obligatoire, il n'est pas permis, religieusement parlant, de lui donner un acte surérogatoire. C'est ne donner ce qui mérite l'acte. Et le Bukhari nous dit, faites attention, les actes ont un jugement qu'il faudrait le connaître. Il faudrait connaître l'acte du jugement pour pouvoir lui donner son mérite à lui. Muslim est le contraire de l'imam Malik. Muslim, pour le mois de Ramadan, nous a parlé des bienfaits du mois de Ramadan. Et le premier hadith nous dit, quand le Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Pour nous donner envie de la pratique religieuse, pour donner les mérites de la pratique religieuse, et après, Bukhari Muslim va nous parler des actes rituels, la pratique, la jurisprudence de l'acte. Donc la religion et la méthodologie, inchallah, qu'on va observer, c'est la méthode des trois grands savants. Il est impérativement
demandé de savoir et de connaître la pratique religieuse, comment faire le mois de Ramadan et quelle est la jurisprudence qui tourne autour du mois de Ramadan, quel est l'acte dans la pratique pendant le Ramadan et le Ramadan lui-même et pendant le mois de Ramadan, quel est le niveau de l'acte, on va parler peut-être de l'imsek, de Tarawih, on va parler de tout ça, il est exigé par la religion de connaître l'acte pour lui donner, par exemple, faire deux raka'at pour saluer la mosquée. C'est un acte surérogatoire, c'est un acte sunna qu'il faudrait l'observer, qu'il faudrait le respecter et faire cet acte à chaque fois, aussi le musulman, quand on a l'occasion. Mais il faudrait savoir que la fraternité musulmane est un acte obligatoire. On est obligé de se sentir frère. On est obligé d'être frère. Donc il n'est pas logique, premièrement, et il n'est pas permis religieusement parlant, de préférencier un acte surérogatoire, qui est de, par exemple, de raka'at pour saluer la mosquée, et au dépens d'un acte obligé qui est la fraternité. Des fois on se bagarre dans les mosquées, des fois on se lance des fois des insultes, et on va détruire ce qui est obligatoire, qui est la fraternité, au dépens d'un acte surérogatoire. Le Bukhari nous dit, ce n'est pas religieusement parlant, ce n'est pas logique, et ce n'est pas la pratique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas la pratique des compagnons. Donc, il est très important de connaître la jurisprudence de l'acte, parce que Malik a commencé par le hadith Soumou li ru'yatihi, la tasoumou hatta tarawu al-hilala, wa la tuftiru hatta tarawu al-hilala. Commence Malik, rahimallah, par ne jeûnez pas si vous ne voyez pas la lune, et vous n'interrompez pas le jeûne si vous ne voyez pas la lune. Malik commence par comment établir le mois de Ramadan. Quel est le moyen pour établir le mois de Ramadan? Pour Malik, donc il commence par le commencement. Parce que le Ramadan arrive, comment parler, comment établir le mois de Ramadan? Et après, Malik rahimahullah, il va nous parler, en parlant de la jurisprudence, de la niya, de l'imsak. Après, il va nous parler de le hadith premier rapporté par un musulman. Le premier, il va le citer. Malik un peu plus tard, quand le Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent. Donc, l'imam, les mosquées doivent observer toute cette méthodologie qui est la jurisprudence, comment pratiquer l'acte, la jurisprudence de l'acte, les bienfaits de l'acte, parce qu'on voit des fois des mosquées ou des imams qui vont insister sur la jurisprudence et ils vont ignorer ou occulter les bienfaits de l'acte. Et des fois, quelques mosquées vont insister sur le fait de makarim al-akhlaq, les bienfaits de l'acte, les fada'il, comme on dit, et ils vont occulter la jurisprudence de l'acte. Ceci n'est pas complet. La méthodologie complète est, premièrement, donner le jugement exact de l'acte, et le pratiquer, comment pratiquer les actes, et troisièmement, les bienfaits de l'acte. Inch'Allah, prochainement, on va essayer de parler sur le premier chapitre, que c'est comment c'est Malik rahimahullah, comment établir le mois de Ramadan. Barakallahu fikum, et la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.